Salut à tous! Ouais, salut à tous! Aujourd'hui, on va vous présenter une arme magistrale sur Anthem. Ouais. Donc aujourd'hui, on va vous présenter le Héros Vengeur, donc une arme de poing, hein. Enfin le pistolet lourd. Ouais. Donc pistolet lourd, donc seul point négatif du pistolet lourd, c'est qu'on peut pas l'utiliser sur le colosse. Normalement. Donc voilà. Après, pour avoir du magistral, pour ceux qui se demandent, il faut être minimum niveau 25. Hein. Minimum. C'est ça. Hein. Je crois que à partir du niveau 25, on a commencé à choper du magistral, donc il faut être au moins niveau 25. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le héros vengeur? Donc le héros vengeur, comme vous pouvez le voir là, vous pouvez voir la description un petit peu. Donc précision du raptor, le survol augmente les dégâts de l'arme de 200%. Donc en gros, c'est pas celui-là qui fait les dés. Ah non, c'est l'autre, je me suis trompé. Donc du coup, quand on survole avec en utilisant le héros vengeur, eh ben, on fait 200% de dégâts en plus en fait, tout simplement. Donc, on va vous le présenter un petit peu, donc il serait très utile sur le tempête parce que le tempête il reste très longtemps en l'air. Donc du C'est ça. coup, moi je l'utilise avec l'intercepteur. Hop, allez, on va continuer nos contrats parce que ça fait un petit moment qu'on fait plus de contrats. On va faire une masse. C'est courable. Parti. Il m'attend difficile. On va voir un peu. Waouh! Bah! Système opérationnel, Yaro. Tu peux me donner les détails? Ce pompe, cette arme? Ah, je crois qu'il y avait une wyvern déjà. Et puis il est temps de défouler un sort pour trouver du matériel. Bon, faut aller où? C'est bon. D'accord. Ah. Donc, je vais tester en vol ce que ça donne, le pistolet voir. Celui-là, j'ai ouais, pas trop joué avec en... pour l'instant, donc. En vol et puis Hop, 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 hop. Bon, j'en ai Watch on 2 en pleine tête. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Ah, équipement. Ouais, tu spawns sur moi, lui. Hop. Voilà, c'est des petits, donc je vais te montrer la puissance de l'arme. Ah, et puis toi, kill. Du cas, je bug. Ok, elle est facile à utiliser, hein, de près surtout, elle est facile à utiliser, mais de loin, par contre, elle a un peu de recul quand même. Hein. Gros ennemi là. Ah! Ah ouais, ça se voit, fait un peu plus de dégâts quand t'es en l'air quand même. En fait, le truc à utiliser avec cette arme, c'est qu'il faudrait enlever le bouclier quand t'es au sol et après, ou l'inverse. Ah non, le bouclier est quand même chaud à enlever quand même. C'est quand il a pu. Enfin, ça dépend des ennemis en fait. Voilà, continue. Je sais qu'il y a certains ennemis, je mettrais moins de temps à enlever le bouclier qu'à enlever sa vie en fait. Vous me demandez ce qu'il faut faire, j'étais en train d'attendre en fait. Voilà. C'était le dernier. Et voilà le travail. Il est par là en fait, c'est par là. Mauvais endroit pour établir un camp. Libère ses sentinelles pour qu'elle puisse t'aider. Je vais voir. Ouais. Hop, hop, hop.
C'est un ennemi ça? Ah non. Crève toi. Ouais, c'est ça, gros point négatif du pistolet or, c'est que tu peux pas utiliser ça sur... Tu peux pas l'utiliser sur le colosse et il y a beaucoup de recul. Donc, tu peux pas tirer comme tu veux de loin en fait. Sinon ça reste une arme puissante quand même. Hein. Voilà, vous avez un bon gameplay du pistolet lourd là, j'en ai one shot quelques-uns là-bas. Ah t'as quand même une différence quand t'es au sol, hein. il y a moins de flèches quand même quand t'es au sol. Hein. Ah, regardez la différence là. Quand je suis au sol, regardez la différence un petit peu. Après là c'est des élites ceux-là. Hop, là, je vais m'en one shot 3 là sur un seul chargeur. Et voilà, excellent travail. Hop, ah, bah, les camions automatiques, non, camions. Donc là, il y en a qui sont pas mal de délits aussi. Pas où ? N'arrêtez pas là, fouille la zone. Je vais voir ce que je peux trouver. Il y en a un en seconde, il pue la merde. On se donnera des pics là. En fait, tu tires, mais tu sais pas si ça touche ou pas. En fait, Ah, le rôdeur ? Ouais, je crois que c'est le rôdeur. Ah ! Je vois quelque chose. Qu'est-ce que t'en penses ? Voilà, on sait pas où aller. Ah, bah ouais. Ah, ouais. On a mis un rocher dans la tranche. Pas question de cesser notre liberté. À ton arrivée. Oh, regardez comment il pique. Regarde comment il pique. Ah, je tire pas dans la tête. Ça tape fort quand on tape le coup critique en l'air, ça tape fort. Attendez, j'attends de prendre un exo et... Ah, il y en a un autre là-bas d'ailleurs. Il tape à 6200 quasiment. Il tape à 6200 dans la tête le pistolet. Non. Ah, 6400 là. Aïe. Je peux le givrer avec ça. Non, je peux pas le givrer. Mais... Ah, j'ai plus de balles. Attendez, il y en a là. Hop. C'est pas mal les dégâts quand même. Ah, il est violent, hein, pistolet. Hein. Encore une raison de réjouir. Ouais. Rapide. Bah, ça c'était le pistolet lourd. Hein. Hop. Ouais. C'est bien qu'on fait ça en contrat, ah, parce que les contrats ils sont pas très très longs. Bon, ça c'était le Revengeur, et puis il est quand même beau, quand même, regardez, il a une belle couleur et tout. Ouais. Bon, n'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit commentaire, et puis on vous dit à plus tard. À plus.